Bonjour tout le monde, ici Commander Fran. Alors enfin, le voici, le moment tant attendu, par moi mais par beaucoup, l'ultime moment d'aller chercher son Graal, mon Graal. Et ce ne fut pas sans mal. Tout commence à Port-Olizard, logique, le PTU vient de sortir, il y a à peine quelques heures, et comme à chaque fois, on se retrouve à PO. Pour un release qui n'ajoute qu'un ship, enfin c'est une façon de parler, mais ce que je veux dire c'est que surtout, c'était le but de cette 3.6.2, CIG aurait pu nous réveiller directement depuis un endroit où l'on peut aller directement chercher notre nouveau jouet. Mais non, qu'à cela ne tienne, CIG veut nous faire mijoter encore un peu, soit. Juste par acquis de conscience, on tente tout de même de prendre un 890 APO, on ne sait jamais, un bug unique. Eh bien, non. Alors, ce n'est pas trop grave. On va chercher notre ship dans la liste qui nous fera patienter le moins longtemps, ou presque. Allez, je prends le Freelancer Max. Allez, c'est parti, on court. Ça fait déjà un moment qu'on l'attend, on perd pas de temps. Et en montant les escaliers, que se passe-t-il? Je tombe nez à nez avec un 890 qui est venu nous narguer à PO. Peu importe, je veux le mien entre les mains, même si c'est pas tout à fait le mien car on est en PTU et on a tous les chips que l'on veut ou presque. Pas de temps à perdre avec des frimeurs, on rentre dans le Freelancer Max, on s'installe, on sélectionne Arcorp et on va filer à toute allure. Bon ok, c'est plus fort que moi, il faut que je regarde de plus près. Et qu'est-ce qui se passe? Et boum, ça commence bien, un 600i a décidé de jouer au bowling, mais à 890 jumps, c'est plus gros. Comme quoi, on est grand, gros et fort pendant un moment dans l'espace jusqu'à ce qu'il y ait plus grand et plus fort que vous. Bon, je ne le dis plus, j'y serai dans quelques minutes, 7 ou 8 tout au plus, mais c'était mal connaître Star Citizen. À peine parti, déjà arrêté par la police intergalactique aérospatiale de l'espace sidéral, point. Premier arrêt. Bon, je patiente gentiment, les copains de Star Citizen m'ont dit « tu attends, tu cours, en fait, tu files ». Mais j'ai opté pour le calme, donc scanning en cours. C'est bon, on peut partir, super, on sera vite arrivé. Bon, je vais quand même prendre 2 minutes et me refaire une beauté, on va quand même dans un 890. Bon, deuxième arrêt, que se passe-t-il encore? Bon ok, je suis toujours bien en route vers Arcorp, mais pourquoi je m'arrête? Même pas de contrôle, cette fois-ci. Probablement un souci de Quantum, allez, ça va, je repars. Non, c'est pas vrai, troisième arrêt, mais il y a du zèle, messieurs les agents. Bon, je laisse faire le scan pour la troisième fois. Ou la deuxième, je ne sais plus, mais en tout cas, bon, l'autre c'était un autre arrêt. Mais le Quantum ne veut plus se remettre en route, enfin si, plus ou moins, mais plus avec Arcorp en ligne de mire. Bon, après divers tests, je parviens à repartir. Et boum, quatrième arrêt, ils le font exprès, hein. Ils ont été payés par quelqu'un qui me fait une blague, c'est pas possible. Bon, je peux me remettre en route. Cinquième arrêt, je commence à la trouver mauvaise. Je vous fais grâce de l'heure qu'il est au moment où je prends ces images pour dire « je pense que le soleil est en train de se lever chez moi sur la planète ». Bon, on repart, avec de l'espoir, j'espère. Je pense que c'est la bonne, ça a l'air de durer un peu plus longtemps. Et oui, c'est la bonne, on arrive tout doucement sur Arcorp. Le moment est venu de s'aiguiller vers l'Area 18 et d'aller se poser. Enfin, c'est pas encore fait. Bon, en approche douce sur Area 18 et sur Riker, cela faisait un moment que je n'étais pas venu titiller les gratte-ciels. Alors, je fais une demande d'autorisation, et comme la dernière fois que je suis venu ici sur l'Area 18 en Freelancer Max, il me donne un pad pour faire rentrer un Dragonfly.
enfin hangar. J'ai l'air malin avec mon Max, donc j'décide de faire un tour et de revenir pour pour éteindre la demande et d'en faire une nouvelle, et je recommence. Je refais une demande, et il me remet sur le même. Aidé et motivé de quelques comparses Star Citizen qui épillaient mes faits et gestes, j'étais gonflé à bloc pour tenter ce suicide, et sans que je m'y attende, miracle, ça passe et je le fais rentrer. C'est vrai qu'avec la perspective, on ne l'aurait pas dit, mais bon, c'est rentré. Je crois que je vais aller demander ma médaille auprès de ma corpo pour ce landing d'anthologie. Alors, sans plus attendre, je coupe les moteurs et j'abandonne mon Freelancer Max sans regret et je vais chercher la bête. Bon, assez de musique d'ascenseur pour maintenant, nous allons chercher au pad le 890. Et le voici dans la liste, enfin. Alors, l'attente fut longue, c'est vrai, mais ça y est, nous n'y sommes plus qu'à quelques secondes de pouvoir le toucher du doigt, de le voir autrement qu'en petits bouts fractionnés selon le bon vouloir de nos chers développeurs adorés. La porte de l'ascenseur s'ouvre, mon cœur s'accélère, ce hangar que l'on pensait inexistant, inaccessible, voire indigne de notre 890 Jump, il est là, il l'accueille. Le 890 est grand, imposant, magnifique, monumental, impressionnant, grandiose. J'en fais trop ? Non, je sais que beaucoup sont d'accord avec moi. Bon, sans plus attendre, on cherche une entrée. J'avais volontairement ignoré toute info à ce sujet pour le découvrir moi-même. Le train avant est plus grand qu'un immeuble de 6 étages. Il est superbe, hallucinant de détails. Bon, je vois les ouvertures pour les tourelles ventrales. Il y a l'ascenseur, ok. L'ouverture pour le hangar, jolie et énorme. Bon, est-ce que je prends l'ascenseur ? Ah non, pas encore optimalisé. Ok, je vais faire appel à la soute, à l'ascenseur de soute. Alors, on monte. Et puis, on se retrouve un peu seul à un moment donné, c'est normal. Le hangar étant pressurisé, les montées et les descentes de l'ascenseur de soute se font en deux phases. Ah oui, d'accord, c'est en deux phases. Voilà. Tout à fait. En fait, tu as le... c'est un sas. En plus d'être un hangar. Enfin, en plus d'être un ascenseur. Oula, il tombe. Ah oui. C'est le générateur de gravité. Je vais... Comment, dans quel sens? Dans ce sens-là, là tu vas vers l'avant du bassin. Bon, clairement ici, je ne cherche pas à faire une visite, mais je cherche plutôt le poste de pilotage. Alors, est-ce que c'est par là? Non, je ne pense pas. Peut-être. Et non. Continue de chercher, Fran. Effectivement, mais là tu vas arriver au hangar à vaisseau, voilà, donc ça c'est là où tu peux mettre 2,85x. Ah, par là pour moi. C'est... Il y a un ascenseur un peu plus loin. Ah non, c'est pas là, à gauche. Alors, dans cette pièce-là... et là, par là, il y a un ascenseur, plutôt vers la droite, là, vers la cuisine. Bah, ce serait plus sympa de visiter le vaisseau une fois que l'électricité sera allumée, en fait, parce qu'il est beaucoup. Ouais, bon, je vais essayer de sortir de là. Là, c'est le... En fait, là, tout droit, là. Fond. À gauche. Cuisine. Cuisine, ok. La place par là, et hop, c'est à droite. Hop, non, non, c'est à droite. À la tourelle, ça tu avais l'ascenseur qui est à côté de la cuisine. Enfin, ça, alors là, tu as accès au pont, c'est le deck de sécurité, ça. Tu peux piloter ton vaisseau à partir de là. Il peut déjà allumer le courant, en tout cas. C'est vrai. Alors, il faut que tu reviennes sur tes pas.
Là, y a... là, t'as un ascenseur, par exemple. Là, c'est un ascenseur. Tu as le bouton sur la droite de l'ascenseur. Pourquoi ? Côté... C'est bizarre. À côté de l'échelle, reviens sur tes pas. À gauche. Oui. Non. Ah oui. Voilà, tu vas là. Sur ta gauche, voilà. Sur ta droite, maintenant, il y a un petit bouton. Voilà. Au deck ? Alors maintenant, il faut que tu ailles au deuxième étage, donc Escape Craft. C'est quoi ça ? C'est les... C'est pas sur ta gauche. C'est ce truc-là. Ça te permet de... Si jamais ton vaisseau doit exploser, c'est là où tu vas mettre tout ton, toutes les personnes du vaisseau pour les garder en vie. Hein, tu crois qu'il sera fonctionnel ? Oh, j'espère, ouais. Ah, juste, je sais pas sortir. Ok. Ah, voilà, j'y arrive. Par ici. Là où il faut que je monte. Tout à fait. Regardez le... Donc là, tu vas te diriger, tu vois. Ouais, c'est bon, c'est ça. Oh, je suis où là ? Non, c'était dans l'autre sens. Là, t'es dans la chambre du capitaine. Donc il va champer un peu avec de la lumière. Et t'es au bon endroit. Ça, c'est en face, c'est de l'autre côté de l'atrium en fait. Tu vois la porte en face là-bas ? Ouais, ouais. Et pour l'instant, il n'y a pas de lumière en fait. Mais t'as pas allumé le con. On peut allumer l'électricité encore. Et on peut l'allumer ailleurs que sur le poste de pilotage ? Bah depuis le truc de battle. Depuis le battle bridge. Ouais. Bon, pas très bien. Bah, la première fois que j'ai essayé de sortir en 890 du hangar, j'ai sorti à 3 fois parce que j'étais perdu dans le vaisseau. Le temps que je me retrouve, c'était une horreur. Du coup, le vaisseau a dépassé. Alors, pour la première prise en main et première sortie du 890 Jump, on va passer en full screen. J'aurais pu vous le faire en 4K, mais avec les images du stream, ça n'aurait pas été tout à fait compatible. Je vous ferai une vidéo exclusivement 4K avec les plus belles images un peu plus tard. Bon, vous les avez les frissons ? Moi je les ai eus. Alors, nous allons brûler les 15 à 20% de carburant de nos réserves qui se murmurent depuis quelques jours pour quitter l'attraction de la planète, et nous allons tenter de trouver un sol, une terre ferme pour se poser et visiter un peu l'intérieur. A nouveau, c'était mal connaître Star Citizen.
C'est impressionnant, hein. Cette lourdeur. Ouais, tout à fait. Ouais. Bizarre de le faire à l'envers. À l'envers, ouais. Ouais, c'est des sources de référence. Agréable. Comment j'ai magnifique, c'est magnifique. Là, on voit bien le globe. Hein. Oula, comme il meurt tout. C'est magnifique. Ah ouais. C'est l'actif point. Il me l'a pas dit. Un kilomètre. C'est long. Ah, c'est pas 36 tonnes, hein. C'est un paquebot, tu veux dire. 36 millions de tonnes. Par contre, si tu peux me permettre, réduis ta vitesse parce que là t'es déjà à 9000 mètres, tu vois, il a énormément d'inertie. C'est marrant parce que c'est un vaisseau qui a été très peu vendu, enfin qui a tous les concepts ont été vendus au moment de sa sortie. Ouais. Mais enfin en concepts originaux, il y a. On a assez peu en circulation, mais c'est un vaisseau qui est énormément attendu par les gens. Ou Louis va se manger les anneaux. Ah, quand ça va, il va frimer. Après, moi, ce que je me demande, c'est si à terme, ils vont développer un outil qui va permettre au capitaine de... d'établir un itinéraire pour vendre en fait son itinéraire comme une croisière, tu vois, et équiper les endroits où tu veux faire le plein, etc, etc. Enfin, ça c'est beau aussi. Ah putain, c'est moche, ça, tu peux pas passer par le sas UAV si t'es tout seul. Comment ça, une double porte? C'est-à-dire que tu actives l'extérieur depuis l'extérieur et l'intérieur depuis l'intérieur. Et première sortie et premier code 30000, l'éjection serveur. Je pense qu'on est bon pour cette première fois, cette première sortie et découverte de notre premier Capital Ship in-game. Une vidéo 4K, une vidéo sur l'intérieur et une vidéo Focus Chip mise à jour seront prochainement mises en ligne. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pour le reste, vous savez quoi faire. Allez voir d'autres vidéos Commander Fan par exemple que vous n'avez pas encore vues. Salut tout le monde et à plus. Ciao ciao.